obtenu une description de Carnage Killer. Excellent. J'ai identifié son terrain de chasse grâce à la carte que tu m'as donnée. Ah oui, je suis con, putain. Oh, lui, le personnage de Carnage, c'est un homme, un blanc roux. Ah, mais je suis trop con, en fait. Ah, je suis vraiment débile. Moi, si. Retrouve-moi à l'endroit que je vais t'envoyer. Bon, déjà, on va rejoindre Kraven. Après, on verra ce qu'il nous dit. Y a pas genre des missions à faire avant ou quoi? Attendez. Une mission qui est là-bas. Avec l'œil, c'est quoi? Spider-Man, merci. C'est quoi ça? Ils disent rien? Sur ce que c'est? Récupère la technologie volée d'Oscar auprès des Russes. Est-ce qu'on fait ça? Non, j'ai pas envie de ça s'éternise donc non. Allez. On va directement voir Kraven. On fera des missions secondaires un petit peu après. Ouais. On a le temps. Ça, ça réveille. On va passer par là. Hop. Ah, j'ai vu un journal. Enfin, un morceau de comics. Où es-tu? Tu es là? Dis ce que je voulais. Le comics. Ah, oh, sur 27 sur 30, ça va. Ça fait quoi déjà le... Oula. On va vous donner la position. Salut. Faites quoi les copains? Ça je pouvais éliminer mais voilà. C'est plus marrant comme ça. Allez vas-y on tourne, allez. Allez. C'est de notre avoir. Allez, c'est de ma voir. Allez. On va voir si je peux les battre juste en faisant que des esquives. Oh, j'ai esquivé Stornak. Bon, allez, ça m'énerve, allez. Voilà pourquoi on me trouve génial. Ah viens, vas-y, viens, vas-y, juste pour voir. Dommage. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai l'impression d'être une brute. C'est vrai. Du coup, j'ai un de 20h ou je sais pas quoi. Les riverains ont remercié Spider-Man d'avoir nettoyé le quartier, le qualifiant de, je cite, l'un des nôtres. Ah ben enfin, ça fait plaisir. Du coup, on a fait un acte héroïque et du coup, on gagne des points d'héroïsme. Et pourquoi à chaque fois ça baisse? À chaque fois que je lance une nouvelle session, mon niveau d'héroïsme il est à 0. Oula, c'est quoi ça? Ah, des bombes, carrément. Stop le crime en cours. Ouais, mais j'ai pas le temps pour ça. Attends, c'est quand même. Ouais, tu me diras, c'est des bombes, mais. Ah, mais genre, je suis obligé? Attendez. Ah non, c'est là. Quête principale. Attends, est-ce que je suis vraiment obligé de faire des bombes? Je suis pas obligé, j'espère. Non, je pense pas. Non. Si elles sont pas encore explosées, on verra ça plus tard. Non, je pense que c'est pas obligé. Ouais, c'est bon. On se casse, on va Kraven. Ouh. En plus, il y a des incendies, il y a plein de trucs qui se déclenchent. Ouais. Bon, les pompiers ils peuvent se démerder, je pense. Génial. Mais parfois, je suis super génial. Le mec, il a un petit ego, disons-le. Hop. Passer par là. Si ce costume me grossissait, quelqu'un me l'aurait dit, non? C'est vrai qu'après on va voir si on peut trouver un autre costume. Et lui changer, parce que c'est vrai que celui-là, il est joli, mais c'est pas le vrai costume de Peter Parker quoi. Donc au pire on verra, on changera. Et si on peut en débloquer un autre, et ben on le mettra, hein, tout simplement. Accrochez-vous! Attachez vos ceintures! Salut Kraven. C'est lui. Attends, tu ne connaîtras vraiment ta proie qu'en la regardant traquer la sienne.
Hey, fais pas ça! J'avais rien à voir avec cette fusillade! J'étais que le chauffeur! Ah, si on le voit se transformer. Tu as vu ces gens mourir? Ouais! Bien. Alors, tu vas tout me raconter. Ensuite, tu me donneras des réponses que tu ne penses même pas avoir. Salut! L'araignée. J'adore ton look. Mais ça m'ennuie de t'exécuter. Tu sais, les véritables araignées liquifient leur proie de l'intérieur. Tu devrais y songer. Et toi, tu es Carnage Killer. Pourquoi tu fais ça? Je comprends que tu en veuilles aux criminels, mais... Pas des criminels, des assassins. Ils ont regardé la mort dans les yeux. Que voient-ils lorsqu'ils sentent son étreinte glaciale? Quelle est leur force? Sa voix m'a rappelé du bouton vert, après. Il est temps d'apprendre. T'es cinglé. Et toi, jaloux. Et pourquoi? Je réalise ce dont tu es incapable. Je sais pas de quoi tu parles. Je vais te montrer. Tu tues des gens, c'est ça? Je peux t'apprendre à être un vrai prédateur. Une araignée. Le souci, c'est que moi, je ne tue pas. Voilà, parce que moi, je suis un gentil, c'est ça, disons. Retire ton masque, Spider-Man. Je veux voir tes yeux quand tu mourras. Ouais, mais non, je préfère pas. Ou meurs. Enfin, juste te patater dans la bouche. C'est plus marrant. Au plus profond de toi, tu aimerais avoir la force d'être comme moi. Admets-le. Laisse-toi faire. Mais j'ai pas envie de tuer, moi. Je tue pas les gens. T'as pas compris ça. Moi, je suis un gentil. Toujours aussi lentement. Non mais c'est ça. N'hésite pas. Tue-moi. Tu en crèves. Je vais pas te tuer, juste te patater un petit peu, c'est non, tout. Non, je ne tue pas. Et je lui avais dit que tu ne serais jamais comme moi. Mais j'ai pas envie d'être comme toi. Et t'as pas compris. T'es vivant? Merci de m'avoir aidé. Tu as choisi de ne pas suivre mes conseils. Je vois que tu préfères faire comme bon te semble. Mais non. Tu t'attendais mais non. À quoi au juste? Que je reste planté là à te regarder tuer ce pauvre type? Ou l'empêcher d'agir. Pour toujours. J'essaie d'éveiller l'instinct de tueur qui sommeille en toi, mon garçon. Celui que tu refoules tant. Ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Jamais. Mais il y a toujours plus grand prédateur que toi. C'est ce qu'on verra. La tension qui monte. C'est vrai qu'à un moment, il y a Kraven qui a entraîné Spider-Man, mais après, il l'a chassé. Donc, le staré. Merci pour le voyage. C'est ici qu'il va... Ah sincèrement pouvoir vous. C'est ici qu'il va y avoir le symbiote. En vous massacrant rapidement et sans trop de douleur. Est-ce que c'est ici qu'il va... Attendez. À la base, Kraven... Non, non, pas Kraven. Carnage, c'est le fils de Venom. Bonjour, à la base. Monsieur. Enfin, c'est un peu comme son fils. Bonjour. Je m'appelle Donald Menken. Mmh. Je tiens à vous dire que vous êtes un pensionnaire très important de l'Institut Ravencroft. Vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Je vous retourne le compliment. Vous me donnerez toutes les réponses. Enthousiaste, je vois. Très bien. Êtes-vous prêt à commencer? Oh oui. À commencer quoi? Il va s'en torturer, il va faire quoi? Je pense que c'est là qu'il va avoir le symbiote. Du coup, Carnage, je sais plus du tout comment il a son symbiote. Attendez, déjà, Carnage, c'est censé être le fils de un peu comme le fils de Venom. Après, il y a un autre symbiote qui arrive un peu plus tard. Je sais plus comment il a son premier symbiote. Je crois que c'est dans un labo. Il me semble que c'est dans un labo. Ouais, il me semble. Enfin bref. Donc du coup, logiquement, c'est lui le futur Carnage, donc voilà. Après, du coup, est-ce que j'aurai le symbiote noir? Ça pourrait être stylé. Ah, si j'ai le costume noir après, ouais. Ça pourrait être un combat assez épique. Appel aux membres de la brigade spéciale. En raison d'une recrudescence de la violence liée à la guerre des gangs et au suspect dénommé Spider-Man, vous êtes autorisé à prendre des mesures extraordinaires. Lancez la phase 2 du protocole d'élimination. Ah oui.
Ah oui, quand même. Quand même. Ça a quoi ce rayon? Qui c'est qui m'appelle? Spider-Man, c'est Whitney. Vous savez que je vous soutiens, alors écoutez mon conseil. Méfiez-vous de la brigade spéciale. Ah, rien de nouveau donc. À toutes les unités, restez en alerte. Plusieurs affrontements entre des gangs ont éclaté sur les anciens territoires des Russes. Tout le monde veut sa part. Faites attention, on se croirait en plein western. Centrale, mes informateurs parlent d'un nouvel individu appelé le Caïd, qui essaie de profiter de la situation pour prendre le pouvoir. Personne ne connaît son véritable nom. Vous pouvez chercher plus d'informations sur lui? Le Caïd? Génial. Comme si j'avais besoin qu'un autre arriviste essaie de bâtir un empire. Unité d'escorte en position autour du convoi. Restez attentifs. On va déplacer cette preuve. Elle intéresse trop de malfrats. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous laisse faire. Pourquoi mon... C'est bizarre. Sens. Wait what? Qui c'est qui me tire dessus? Ah je peux aussi péter étoile, c'est pratique ça. Mais du coup même étoile maintenant commence à essayer de me tirer dessus. Ok, ça c'est mauvais signe. Du coup... Ok. Repère russe. Est-ce qu'on s'arme sur repère russe? Non, j'ai moi personnellement j'ai pas trop envie de mettre. Ouais, on peut rentrer chez nous. Le Comic Stone. On fera des quêtes secondaires plus tard, honnêtement. Là j'ai plus envie de faire vraiment de la mission principale. Parce que elle est cool et puis voilà. Hop. Par contre si on voit des tourelles, je dois trouver on essaie quand même de se les faire. Attendez. Oui, il y a une musique qui s'excite là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une toile qui m'agresse, ok. Elle est où? Je l'ai pas vu, bon tant pis. Là. Prends ça. Ah, c'est tous les points rouges, je pense, les tourelles. Logiquement. Est-ce que je peux les voir? Non, j'ai pas l'impression que je puisse les voir. Okay. Là. Salut toi. C'est pas de raison qu'on ne gêne pas, hein, honnêtement. C'est sympa de nous aider. C'est du camion. On ne sait même pas ce qu'on transporte. Juste que c'est dangereux. Merci de nous aider. Et que les gangs le veulent. Mais de rien. Les rues de cette ville sont déjà bien assez dangereuses comme ça. Et alors pourquoi les toiles essaient de me tirer dessus si les flics sont avec moi? C'est pas logique. C'est pas du genre subtil, hein? Mais non, 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 là. Là. Hey, Spider-Man, voilà. Je trouve ça un peu suspect, pas vous? De quoi? Ah, ça. Relax, c'est la cargaison qu'on veut. Restaurer ta peau pour ça. Ils sont combien? Mais ils sont combien? Je peux pas tout gérer, moi. Viens ici, viens ici, viens ici. Essayez de me tirer dessus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis là. Voilà, voilà, merci. C'est quoi ce qu'on voit? Genre, la fourgonnette elle est blindée. Alors, la fourgonnette blindée, mais genre, des quelques balles, ça a commencé à tout péter. Ok. Bon boulot, Spider-Man. Grimpez, j'ai comme l'impression qu'ils vont envoyer des renforts. Ah ouais, ouais, faut peut-être que je remonte quand même, attention. Oh putain. Spider-Man, essayez de voir ce qui nous attend par là. Bah, sûrement des méchants. Il y a des bombes dans des voitures. Il faut que je les désamorce. C'est pas vraiment ça qu'on appelle désamorcer, mais après, ça marche. Hein. Il vaut qu'elles explosent en l'air. C'est vrai que ce sont des petites bombes, hein, parce que sinon...
là. C'est des bombes. Ce serait là, l'endroit parfait pour une embuscade. Ah ouais hein. C'est ce qu'on va voir, je parie. Une embuscade. Waouh. On s'y attendait pas du tout. Oh putain. Des méchants de qui nous survivront. Ils ont des flingues. Oui, ils ont des flingues. Il y a lui qui a un flingue. Qu'est-ce que je fais? Voilà. De quoi ça? Ah ça, ok. Oui, parce que j'ai vu que je suis à tes ordres maintenant. Venez, on doit repartir. Ouais ouais. Enfin, ça je crois que ça va tout péter. La tourelle, vas-y. Non mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi Spider-Man? Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas compris. Non! Ah, ok, ouais, bon, c'est comme une tourelle. Si elles explosent, ce sera un désastre. Oui, oui, oui. Mais Oh qu'est-ce putain! Qui peut pousser quelqu'un à devenir un homme de main? Une mauvaise estime de soi? Ouais, c'est pas vraiment ce que je veux, mais ça marche quand même. On va dire oui. Pourquoi ils sont pas tous comme ça? Non, saute au-dessus, là. C'est une toile, oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon, j'ai pas le temps de tout faire, moi, donc T'as pas des armes sur mon truc, hein? Oh, si on roule un petit peu plus vite, ça m'arrangerait, en fait. Oh putain, je sens mal. Non, c'est fini. Centrale, voiture c'est fini, de temps voilà. On est allé au musée Kane, rien à signaler. On a parlé à cette femme. Elle nous jure qu'elle a vu Spider-Man entrer dans le musée. Mais c'est fermé à double tour et aucune alarme n'a été déclenchée. Bien reçu, 228. Ça doit être à force de lire les articles de Jameson. Ok, donc du coup, vu qu'on a le temps, on peut se faire cette mission qui est juste là. Je vais aller jeter un œil. Ma réputation a déjà assez souffert sans ajouter le vol de tableau à mon actif. Là. Mission. Elle est où la mission? Là. Et c'est... vu que la dernière fois qu'on a fait un repère russe, c'était une tenue, logiquement on peut peut-être en gagner une autre, là. Ah, j'aimerais tellement voir la tenue d'Iron Man. Ah, ce serait tellement stylé. C'est une tenue qui est rouge-orangé doré et qui a des pinces. Tiens, c'est donné du mal pour cacher ça. Ah, voilà, une nouvelle cryptoïde. C'est exactement comme le truc. Une nouvelle tenue. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Tous les repères russes en fait ce sont des tenues. Ok. Ok, ok. On va te faire ninja. C'est pas que tu fais mal ton travail. Enfin, si. Ça va te secouer. Désolé, c'était pas terrible. Vigilance, sa merde. J'ai vu un truc. J'en suis sûr. Ah merde. Dommage que j'ai pas de chamallow. Ah, certains bricolent des voitures. Une belle victoire avec du style. Oh, j'ai gagné. C'est quoi comme tenue ça? Une nouvelle tenue. Oh, oh. Une des trucs que je voulais. C'est pas exactement celle que je jouais, mais il y avait quand même du doré dessus. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a en fil en dessous connu? Ouais, allez, allez, allez. Mets ton nouveau costume. Allez, montre-nous comment t'es beau. Alors, celle-ci de tenue, je sais plus du tout d'où elle vient. Est-ce que c'est une tenue. Elle ressemble un petit peu à celle de Ant-Man, non? Un deux. Je sais plus du tout à qui elle appartient cette tenue. Enfin, à qui c'est qui l'a faite pour lui, quoi. Donc, c'est son autre Spider-Man. Non, honnêtement, je sais plus du tout. Donc, si vous avez une idée, dites-moi dans les commentaires d'où elle vient cette tenue. Voilà.
C'est vrai qu'elle est très jolie. J'aime pas du tout les yeux. Enfin, la forme des yeux, sinon le reste, j'aime beaucoup. Ouais, il est joli le symbole. Jeune comme ça, ouais. Qui c'est qui fait du bruit? Qu'est-ce qui fait du bruit? C'est Spider-Man? Il est pas un peu maigrichon? Effectivement, il y a tout le monde qui dit que je suis maigrichon, ok. Ah, c'est pour ça. D'accord. Voilà, c'est ça que j'entends. Un comics disponible, ok. Ça fait d'XP, bah c'est pas mal ça. On est bien comme ça. Un autre père. Attendez, est-ce que c'est sur le chemin? C'est pas vraiment sur le chemin. Mais j'ai envie de gagner un autre costume. On va d'abord faire ça. Et juste après, on va se faire mission principale. Voilà. Donc apparemment, ça prend pas beaucoup de temps. Allez. Ninja. En fait, truc de russe, en fait, les repères de russe, si on y va rapidement sans vraiment les affronter et qu'on va directement dans le truc, et ben en fait on peut avoir le costume rapidement. Donc, échec de la croche. Cool. Moi je pensais au début qu'il va vraiment tous se les faire et puis genre vraiment passer inaperçu et tout quoi. Mais non, pas forcément, donc c'est plutôt cool. Ha! Vous pensiez que je pouvais pas être plus classe? On entre dans le repère russe. Pourquoi toujours dans les égouts les repères? C'est bizarre, enfin je trouve ça trop cramé moi les repères dans les égouts en fait. C'est trop évident. Quelqu'un ne veut pas que je trouve ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Mais je suis un incorrigible curieux. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est une tenue genre prévue juste pour moi, tu vois, normal. Bon. Où sont les méchants? Il y a des méchants ici. Ah merde, lui il va me voir. Apparemment c'est en dessous ce bordel. Ah merde, il va me voir. Venez vite. D'où tu m'as vu? Ah non, il m'a pas vu. Il m'a vu un peu. C'est genre un peu. Je vais te faire saigner. La leçon du jour: éclater les saletiques, c'est éclatant. Oh non! Si t'étais debout, tu serais impressionné, vraiment. On va aller par là. Vite, ils vont partir. Oh non, sérieux? D'où? Oh non, ma tenue. Oh, ma tenue, je la voulais, moi. Oui, je vais essayer, bah oui, quand même. C'est vrai que je me suis fait repérer un tout petit peu en avance, c'est vrai. Il faut que j'essaie de rush, mais genre rapidement. Mais genre vraiment. Parce que soit ça va pas le faire. J'ai l'impression que cet endroit cache tenue. Quelque chose. Oui, oui, on a compris. On a compris, on peut passer. Non, on peut pas, d'accord. Alors, on va passer par là, déjà. Ok, d'accord, je vois ce qu'il y a. Lui, on l'élimine. Ok. Ici, amenez-vous tous. Merde. Allez. J'ai réussi. C'était ton ex. Je suis passé mais genre de justesse là. C'est quand même craqué ça de pouvoir passer comme ça. Allez, c'est une Iron Man. On y croit. 2099, ça passe. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah moi je suis d'accord, oui. Pour un petit, rappeler un petit peu mon let's play sur Spider-Man aux frontières du temps. Oh joli. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, oui. Nickel, nickel. Bon, c'est pas celle que je voulais au début, mais c'est quand même pas mal déjà. Spider-Man 2099, quand même, voilà. Ah, je pensais pas qu'on pouvait avoir vraiment quasiment toutes les tenues, quoi. Est-ce qu'il y aura genre aussi les vieilles tenues, genre les anciens Spider-Man, tout ça? Ah, y'a moyen. Y'a moyen d'avoir les vieilles tenues aussi, celles après. Je me demande combien il peut y avoir de tenues, parce que j'ai vu genre quelques vidéos où c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de tenues.
Mais je sais pas si elles y seront toutes. Enfin, on verra. Un succès? Furtif. Genre j'ai pas été repéré. La bonne blague. Non mais j'étais cramé direct en fait. C'est pas grave.